Moi là, je suis très fâché contre Bassiro. Ah bon? Et pourquoi? Bassiro, tu m'énerves en vrai. Pourquoi? Tu m'énerves, hein? Ah? Franchement, tu es un frère que j'aime beaucoup, mais tu m'énerves. Va en bourse avec ça. Bassiro, nous on t'a fait quoi? Je pense que ce monsieur a besoin d'aide. Pourquoi? C'est comment qu'on est tranquille? Tu passes sortir les gens de leur tombe et on ne respire pas depuis 2 jours. C'est le chat en veau. Bah! Il y a quoi avec toi que tu as l'air d'aller nous chercher les problèmes partout? Jamais. D'aller nous chercher des inconnus que personne ne calcule, personne ne connaît. Je te dis que... C'est même pas que tu l'as insulté, tu as acheté un maillot à ton prix, presque 200 euros. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? C'est vrai. Tu viens, tu le mets ici et on ne respire plus. Mais respectez les gens. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Mais on dirait que c'est Lionel Messi et Ronaldo mélangés. Je dis que... Mais mon frère, hey. Le monsieur était à la CAN, il n'a même pas joué. Vois-moi ces anciennes fesses. Le monsieur là sort d'où? Jusqu'à on est sur Facebook. Depuis 2 jours, à s'égosiller, à s'expliquer, à discuter. On va lui juger. Non mais le monsieur a été nettoyé par Yolo dernièrement. On n'a pas entendu tout ce bruit. Je te dis que... Le monsieur a été lavé, nettoyé, repassé, astiqué à la radio. Et puis ça a rien fait. Mais c'est quoi que vous fatiguez nos oreilles depuis 2 jours avec un inconnu que personne ne connaît? C'est quoi ça? Je m'interroge. Vassero, il faut arrêter tes histoires que tu peux nous déterrer les morts, tu peux nous déterrer les gens et on va se mettre sur Facebook en train de bavader comme des malades. La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Ah bon? Les efforts que le gouvernement sont en train de faire... Quoi? Yeah. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Continue. Qui connaît ce monsieur? Je ne sais pas. Il est en Côte d'Ivoire. S'il était un grand joueur, il devait être dans le 11 entrant au Cameroun. Ça, c'est clair. S'il était un grand joueur, il devait mettre Aboubakar au banc. Mais oui, c'est clair. S'il était un grand joueur, même le gars qui joue ici à Zurich a joué à sa place, Samé. Alors. Samé joue, non? Oui. Quand il va nous envoyer les avocats, envoie-nous tous tes avocats. Tu crois que tu fais peur à qui, dis donc? Tu joues à l'équipe nationale du Cameroun, tu es un personnage public. On va parler bien. Vous comprenez? Oh oui. Vassero parle de Popol matin, midi, soir. Donc Popol n'a pas assez d'avocats pour lui envoyer ça. Il y a même quoi? Vous me rendez dingue. Vassero parle de Popol matin, midi, soir. Et puis il n'y a rien. Dans le monde entier. Donc toi là, tu dépasses Popol. J'ai dit que... Mais mon frère. Hey. En vrai, juste un instant pub et on se prend après. J'ai failli perdre ma vie à cause de cancer de la prostate. Ça... Si on ne me dirigeait pas vers lui comme je suis en train de vous diriger aussi, c'est que je ne suis plus de ce monde. Mais Dieu merci, il m'a montré un bon chemin où le docteur Gadema m'a sauvé. Ce produit Natura Prostate pour ses parents qui ont les problèmes de prostate. Je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits. Mais entre temps, contactez le numéro du docteur Gadema qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé, au niveau du quartier Ngousso, juste à 100 mètres du fin cimetière Ngousso. À Douala, il est situé au niveau de Bépanda, entrée lycée, immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations concernant ces produits. Ok. Qu'on ne va pas parler de toi. Tu joues pour l'équipe nationale. Viens un jour qu'on te... C'est-à-dire que tu as la chance que tu es parmi les 11 entrants. On te met, tu mouilles. Tu vas seulement porter plainte à tous les Camerounais, non? En vrai? Tu vas porter plainte à tout le Cameroun. Ça, c'est clair. C'est parce que hein, les Camerounais qui te soutiennent aujourd'hui, là, ils ne vont pas te rater. Déréglage du système nerveux, mon frère. J'espère que ce que tu as commencé là, tu seras prêt que dès qu'on te met au terrain avec le maillot, le vert rouge jaune-ci, tu vas bien jouer. Tu vas lire. Parce que si tu mouilles, j'ai confiance au Cameroun. Hey, gars! Ils vont te donner sa propre et puis il n'y aura rien. Vous aimez voir avec les yeux. Au Cameroun, Vassero jouait dans les salles avec 20 personnes. Hey, pourquoi? Parce que Vassero, c'est quelqu'un, les gens ont peur de le fréquenter. Seigneur. Nous, là, on a le cœur, on a dit qu'on va le fréquenter. S'il veut pleuvoir, il pleut. Ah bon, hein? Vous croyez que vous allez dire aux gens quoi? C'est un monsieur qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Ah bon? Et je veux lui respecter toute ma vie. Mais attendez, pas de quoi, ne faites pas. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent faire ce que Vassero a fait. Vassero a été arrêté 33 fois au Cameroun. Quoi? T'as dit quoi? Vassero a été arrêté 33 fois au Cameroun. Non, je n'arrive même pas à y croire. Vassero marchait dans la rue au Cameroun, on l'arrêtait pour rien.
Tu es sûr? Irion l'arrête. Tu mens. Oui. C'est un gars qui a donné sa vie pour le Cameroun. Quand je vois des perdus qui insultent Vassero, ils ne comprennent pas ce que c'est que de prendre. C'est pour ça que le Cameroun est dans cet état. Parce que personne n'a le courage. Où sont. Et si les hommes avaient les Mimbangs au Cameroun? Il y a les hommes n'ont pas les Mimbangs au Cameroun. Attendez, je bois ma première verre. Il y a combien de peureux comme ça là? Koho, Vassero. Vassero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun. Godness! Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Vassero faisait des concerts au Cameroun. Il est au Cameroun, hein, où il a les fanas. 20-30 personnes. Lui-même, il porte les chaises, il pose. Il porte le podium, il pose. Même vous parlez, je suis dépassé. Il chante avec ses amis. Quand ils finissent là, la voiture de la police les attend. On les embarque, ils partent dormir en cellule. Il sort de là 3 jours après. Arrêtez vos histoires là. C'est de la sauvagerie. Quand Vassero a le conseil, dès que tu dis que tu peux venir faire la preuve. Je vois mes enfants grandir. Un des meilleurs rappeurs de sa génération. Pardon? Le flow est là. Le rythme est là. Papa. Les paroles sont là. Yes. Les thèmes sont là. J'ai dit que... Mais mon frère. Hey. C'est un artiste contestataire et il a accepté ça. Mais de combi. Moi, je soupçonne que le monsieur là lui-même voulait le buzz. Ah bon? Oui, je suis désolé. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.